Dites. Et alors? Pas vite gênée, celle-là. Bonjour Martine, bonjour Martin. Tu l'auras compris, nous sommes à Marseille. C'est Marseille, bébé! On n'est pas ici en vacances, les amis. On est ici avec toute la team d'Ultra Premium Direct pour un projet vraiment très très cool. Vous savez, c'est le mois de juillet. Et rebelote, hein, c'est reparti. Les abandons de chiens et même de chats, bah ça explose. Ça explose. Les départs en vacances, les gens oublient toute responsabilité et décident donc tout simplement d'abandonner en masse, hein, leurs animaux de compagnie. Du coup, c'est un de ces fléaux que nous allons aborder à travers cette vidéo. Il y a d'autres thèmes que nous allons découvrir aussi. On va partir à la rencontre de l'association Roar. On va également partir à la rencontre de l'asso Clara. On va rencontrer des vétérinaires. On va pouvoir partir aussi à la découverte et à la sensibilisation finalement de la faune et de la flore qui sont en danger, hein, tout simplement. Et voilà, on le fait avec une team d'exception. On le fait avec plein de copains. J'ai très très hâte de débuter ce voyage. J'ai très très hâte de découvrir tout ça. Je pense que ça va être intense. Je pense que ça va être un voyage plein d'émotions. Ça va pas être facile tout le temps, je pense. Mais avant ça, on va petit déjeuner. On va prendre des forces et puis c'est parti. Bien alors, 17 petites cerises et alors là. Hop là, oh elle twerk. Oh. C'est trop tôt pour ce genre de. Les amis, regardez cette vue. Mais quelle vue incroyable pour petit déjeuner. Nos chambres donnent vraiment vue sur l'océan, c'est juste incroyable, c'est trop beau. Montre-moi ton petit sac. D'ailleurs, j'ai pris ma petite gourde, j'ai rempli ma petite gourde pour mission protection. Avec ultra premium. Ouais, on a même nos petits bracelets. Mais avant ça, on prend des forces. Putain, mais tout est énorme. Qu'est-ce que c'est que cette énorme fraise? Ça y est, nous sommes arrivés. On va voir plein d'animaux. On va voir des chiens et des chats. Je vois déjà un chien. Oh là là, bonjour. Oh, regardez-le. Il est là, oh là. Il est un petit mignon. Oh là là. Il est bien dodu, lui, dites donc. Regardez-moi ce dodux. Qui sera la première rencontre avec un chien? C'est qui en mise? Gaël Garcia Diaz. Oh, regardez-les. Je veux. Oh, oh, ils sont minouches. Regardez-les. Regardez, petit bélier. Coucou Stan. Mais c'est étonnant, pourquoi tu restes près de nous? Il n'y a pas du tout de sucrerie sur la terre. Absolument pas, mon chien. Aïe, aïe, aïe. Du coup, les chiens et chats, vous en avez combien? Ah non, c'est pas des chats, c'est que des chiens ici. Non, on a des chats aussi. Là, aujourd'hui, on a une cinquantaine de chiens et on doit avoir une vingtaine de chats. Et du coup, comment ça se passe? C'est des gens qui viennent, vous travaillez avec la fourrière ou... Alors, c'est un peu l'animalier. En fait, on récupère les animaux qui sont perdus en divagation sur la voie publique. Okay. Donc, les polices municipales nous appellent. On vient les chercher et notre but, c'est de retrouver les propriétaires. Okay. Et à l'issue de ce délai, ils sont transférés en refuge pour être adoptés. Et donc, okay. Commencer leur nouvelle vie. Soit on les rend propriétaires, c'est mieux. Soit on veut les rendre propriétaires, mais il y a beaucoup de propriétaires irresponsables, donc on ne peut pas les rendre, il y a des situations catastrophiques, donc c'est des abandons déguisés. Et il y en a qui sont ici depuis très longtemps, j'imagine. Il y en a qui sont ici depuis très longtemps, donc c'est des animaux que l'on garde sur notre pôle animalier parce qu'il n'y a pas de place en refuge pour les prendre, donc on les garde quand même plus longtemps, on les met nous-mêmes à l'adoption via notre fondation d'entreprise, la fondation Clara. Et donc là, les chiens qu'on va vous présenter, ils sont là depuis des mois. Oh là là. Ils sont pas pris, pas parce que les refuges, c'est pas de leur faute, hein, c'est qu'ils sont blindés. Ils sont bourrés à craquer, quoi. Et énormément de staff et de malinois. Ouais. Donc vous allez voir en faisant le tour, il y a une grosse situation sur les staffs et les malinois en France. Un effet de mode qui a des conséquences catastrophiques. Donc c'est pour ça que voilà, on va vous les présenter. Ok, très bien, merci beaucoup. Ben voilà, comme il disait, hein, que des malinois. Plein de malinois. Des staffs. Ah, ça me brise le cœur, c'est horrible. Crève-cœur, quoi. Oh là là, crève-cœur. Crève-cœur de ouf. Oh, mais qu'est-ce que tu es minouche! Oh là là! Je n'ai pas de puce. Bah non, baby! Il faut qu'on trouve des noms, regarde, Easy. Parce que. Il y en a qui n'ont pas de noms. Oui. C'est bon. Ça, c'est des chiens qui sont en garde sociale, c'est ça? Donc, voilà. C'est déjà. Tu vois le petit. Oui, mais donc, c'est ça. Oui, oui, tu vois le petit Jack Frazier? C'est moi qui l'ai à l'hôpital psychiatrique. Et Tina. Il y en a deux qui n'ont pas de nom. Ici, son nom. Regarde, mon amour. Il a une trop bonne bouille en plus. Mais regarde, Joey, cette tête d'amour. Il a vraiment une très proche de l'homme et très doux. Regarde cette bouille. Non, mais je comprends pas. Il a vraiment une tête de Michel. Et pourquoi lui? Miche, miche. Eh ben pareil, comme c'est un type dog, surpopulation. Calme, doux à l'adoption. Adoptez-le. Moi, je vais aller voir Miche, miche. C'est bon, c'est Miche, miche. Miche, miche et... Ouais. C'est parti. Une tête de Miche, miche. Oh,
Oh, mais allez! Oh, le petit cœur de beurre! Coucou, mon cœur! Mais comment ça, t'es pas encore à dormir? Mais comment c'est possible? On va sortir. Je vais te balader. On va aller faire des promenades, mon cœur! Oh, meuf! Alors, ça, c'est un qui n'a pas de nom, mais je l'ai baptisé Mich-Mich. Et je crois que Mich-Mich a envie de sortir. On va aller faire un petit tour. On va aller se promener? Il y en a partout, James, c'est l'enfer. Ah ouais, non. Je suis en PLS. C'est un crève-cœur, c'est horrible. Arrêtez de prendre des animaux. Si vous savez pas vous en occuper, c'est quand même pas compliqué, quoi. C'est pas les gros cochons, ça? Mais enfin, mais vous y suis. Et alors, les vivis? Bon, eh bien, on est dans un bon bad, hein. Un bon bad émotionnel. C'est un plaisir, mais c'est une triste réalité. Je vous mets évidemment toutes les informations pour l'adoption en barre d'infos. N'hésitez pas à vous renseigner. Et par pitié, arrêtez d'acheter des chiens, des chats en animalerie. Pensez à l'adoption. Les abandons d'été, c'est un fléau, c'est une catastrophe. Les refuges sont bourrés de chiens et de chats qui attendent une famille. Pensez à l'adoption, vraiment. On fait des dons régulièrement de croquettes. Oui. On fait des dons financiers aussi. Alors on essaye à travers vous de sensibiliser, de faire passer des messages. Ce qui est important, les messages, on les a dit, hein, c'est de ne pas abandonner un animal. Quand on prend un animal, c'est de l'amour, c'est une responsabilité. Je pense que quand vous venez ici, on se prend une claque dans la tête. Oh. C'est super dur. C'est des moments qui sont compliqués, mais ça permet au moins de se rendre compte de la réalité. Donc à travers vous, les messages, c'est stop à l'abandon, bien évidemment. Et puis on verra demain aussi, c'est la stérilisation. Ça, c'est plus par rapport aux chats. Et je vous remercie à tous d'être là, donner des temps. Je sais que c'est pas des moments faciles, et je vous remercie du coup de vous associer à nous dans ce combat pour la protection de la cause animale. Merci. Alors, je pense que le retour dans le van va être compliqué, les amis. Je viens de marcher dans cette énorme merde. Bon, après ce moment pas très agréable, on va quand même se nourrir. Tu parraines Tina? Elle est trop Tina mignonne. Ah mais oui, elle était trop mignonne, elle. Hyper énergique. Ah non, mais elle est trop mignonne. Toi et moi, on va faire la balade ensemble, comme ça je vais faire un petit footing, on y va. J'adore. Donc déjà, je vous invite à prendre un verre, comme ça sera plus facile pour discuter. Et puis, ouais, ça va nous faire du bien, je pense. Ça va nous faire du bien. Château Grand Bois. J'aime pas le vin, tu pourras le boire à ma place. Bien sûr. Enfin, on va respecter la faune et la flore. Ah, c'est... Donc là, ce que vous allez déguster, c'est très, 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 très vite. Il a du dégoût. Chat. Ah, Mich-Mich. Moi, je suis chaude pour goûter le blanc, James. Ah, moi aussi. Là, c'est du rosé. Le blanc, le gris, je ne sais plus les couleurs. Mais je teste tout, moi. Les devins. Ne nous oublie pas, cher. Non. Ah, le vent. Ah, oh, putain, mais évidemment. Oh, il est énorme, ce coca. Le coca. Ah, bon. Coucou, mon coca. Coucou, mais tu as le droit d'aller devant, toi, petit. Oui, il a un privilège. Mais ils sont tellement excités. Ça fait combien de temps qu'ils ont plus vu un espace pareil, quoi? On essaie de les promener tous les vendredis, mais ouais, voilà, mais c'est quoi, pas c'est évident, il y en a tellement. C'est ça. Mais t'es trop mignonne, toi. Oui. Comment ça se fait que personne veut de toi, mon cœur? Je te jure. C'est pas possible, ça dit. Mais attends, c'est... Elle, c'est la plus sage de toutes. Des pipis. Oui, des pipis. Oui, des pipis dans la nature. Des pipis dans la nature, mon cœur. Oh, déjà un petit caca, mon cœur. Un petit caca! Hop là! C'est bon pour la guibole! Ça y est, j'ai un point de côté. Ça fait 2 minutes qu'on est parti, j'ai un point de côté. Je suis vraiment une merde. Oh waouh, regarde comme c'est beau! C'est pas dans les Alpes ici! Après un bon petit vin blanc, quelques mères de chiens, ah ouais. Je trouve finalement cette vue plutôt agréable. Ce n'est pas sans peine et sans douleur. Regarde, il fait genre. Oh là là, il en remet une couche. Nous avons Joey. Il tire pas trop. Joey qui a déjà 10 ans. Il est déjà si vieux qu'il a un peu de moustache. Une petite moustache grisonnante et un peu de tartre. Mais surtout beaucoup d'amour. Et il est fit, hein? 10 ans, je peux te garantir que lui, il a pas de point de côté.
Eh bien, Papy Joey, après une bonne grosse marche, crève de soi. Papy Joey, mais papy en forme. Hein. Il est super bien éduqué, il est ok avec les autres chiens, zéro agressivité. Voilà, on a gravi la montagne. Petite chapelle. Choupi, quoi, bébé. T'es vraiment un papy, mon cœur. Et toi, renifleur de huc. Ah, ça me parle, ça. Regardez-moi cette vue. Après une promenade de qualité qualitative. Bonjour Martine, bonjour Martin. J'ai pas pris le temps hier de faire un débrief en fin de journée, donc là je viens de m'apprêter jour 2 ici à Marseille avec toute la team. On va pas se mentir, hein, hier c'était une journée, ça fait pas forcément plaisir à voir, c'était une journée un peu bad mood. Même si voilà, on est évidemment avec une équipe ultra cool et on s'entend tous super bien, donc c'est évidemment super chouette de pouvoir vivre tout ça parce que c'est une triste réalité mais qui est importante de montrer. Là on est au mois de juillet et depuis le mois de juin, même fin mai, les abandons en masse avant les départs en vacances, c'est un fléau. C'est une catastrophe. Et j'espère en tout cas à travers ces images qu'on a pu un petit peu ben voilà, vous montrer la façon de travailler de la Fondation Clara. Clara que vous avez également vu du coup beaucoup dans ce début de vidéo, qui est vraiment une passionnée des animaux, qui tente comme elle peut avec sa team et avec les infrastructures et les aides qu'ils reçoivent, d'arranger les choses, d'améliorer la situation pour ces chiens et ces chats qui ne font finalement qu'affluer tous les jours. Ils ont en moyenne 3-5 chiens par jour qui finissent dans leur institution. C'est un truc de ouf. En tout cas aujourd'hui, journée un petit peu moins éprouvante. Direction du vétérinaire ce matin pour aller comprendre et vous partager évidemment le besoin et l'importance de la stérilisation parce que Marseille, c'est la ville en France avec le plus de chats errants. Il y a des milliers de chats qui se reproduisent tous les ans ici à Marseille et c'est vraiment problématique. Et donc on va tenter d'en savoir un petit peu plus aujourd'hui. Et alors cet après-midi, activité méga cool les amis. On part sur un bateau éco-responsable cet après-midi pour aller découvrir évidemment l'importance de prendre soin aussi de notre chère dame nature. Mais du coup, côté haute mer, donc ça risque d'être très intéressant aussi. Beau programme, mais avant toute chose, on va aller manger un petit déjeuner, on va aller prendre des forces. Let's go. Moins de 2000 étaient identifiés. Concernant la stérilisation, il faut savoir qu'une chatte, en 4 générations, peut engendrer jusqu'à 22 000 descendants. Voilà. Une seule. Voilà. Donc vous multipliez par nanana. Donc toujours en 2022, l'année dernière, on a fait stériliser, identifier plus de 3500 chats, dont 1500 juste à Marseille. Si selon toi ça fait 48 heures que cette petite boule de poil est ici, t'es bien pratiquement persuadé qu'il y a un problème. Bah, un problème, il y en a un qui n'est pas identifié. Ouais, déjà identifié. Honnêtement, oui, là il y a. Enfin, franchement, si tu tiens à lui, tu t'appelles toutes les centres animaliers, tu fais un effort. Il y a de grandes chances que ce soit une situation irrégulière, pas chelou. Il n'y aura pas de propriétaire qui va venir. On parle de toi, mon ami. Voilà, des grignotes. Oh, les coquilles, les coquilles, les coquilles. Tu me grignotes, mon cœur. Comment tu peux laisser ça sur la gueule, franchement. Je ne comprendrai jamais. Toi, mon cœur, ça, je crois que c'est le fou. Oh, je suis un gros patin pauvre. Oh, regarde-moi. Je fais n'importe quoi.
recasse les tissus qui sont mal cicatrisés, on va regratter, on va permettre un rapprochement, parce que là la peau elle est pas saine, elle va pas cicatriser sinon. Bon, eh bien, clairement, notre thérapie ces 3 jours, faut pas chialer. Toutes les horreurs qu'on voit, c'est de bouffer. Voilà, voilà, incroyable. Ouh là là, mais dites, oh ça a l'air extraordinaire par contre. Un bon snack, je dirais. Oh là là, petite mousse, petit jambon serrano avec des petits melons. Oh là là. Une chiffonnade. Et alors la vue de ce petit rooftop extraordinaire. Evan, ouais, qu'est-ce que c'est que cette tenue? On dirait un petit cartel un peu mexicain qui essaye de passer undercover. Plata au plomo. Et si tu as envie d'un peu de lecture chez les nains, un peu de lecture? Je vais vous lire les news si vous voulez. Oh my god, j'aime trop. Et voilà, les petites sandalettes en cuir. Ouais, les pieds gratuitement comme ça. Lâchez la moula et je vous montre ses pieds. Petite balade en voilier. Marseille, beau temps Marseille. Il pleut. On nous l'a pas caché, hein. C'est le beau temps toute l'année à Marseille. Tarpez bien. Ah, super, un peu d'eau sur l'objectif. Parfait. Oh là là, comme c'est beau. Il est incroyable celui-là. Hein. Oh, wow. On est bien à Marseille, hein, c'est le soleil, la chaleur. Ils ont pas menti. La plage. C'est le sud. On dirait le sud. On dirait le nord. C'est quelle campagne qui a été shootée ici, tu? Jean-Paul Gaultier. Oh my god. C'est un voilier qui est bateau d'intérêt patrimonial, qui a toute une histoire, une aura très particulière. C'est un bateau qui a été construit en Allemagne. Et puis dans le début des années 50, il est arrivé à Cannes. Ça a été ses 10 années de French Riviera. Et donc là, pendant qu'il était à Cannes, il faut l'imaginer sortant Liz Taylor, Onassis, qu'on peut imaginer depuis Glamour du Cannes de cette époque-là. Ce qui veut dire qu'on a le droit d'aller dans le parc, on a le droit de se mettre au mouillage dans le parc. Et ça, c'est quelque chose de primordial pour le bateau, quelque chose de primordial dans notre projet d'entreprise, parce qu'on est, on a monté ce projet avec en tête l'idée de faire en sorte que les gens qui sortent en mer ne le fassent pas pour consommer de la sortie en mer, consommer des calanques, mais prennent le temps de comprendre, d'apprendre, de profiter d'une façon qui est saine et qui est en fait respectueuse de l'environnement. C'est ce qu'on ramasse en une heure à Marseille. Ouais, ça sent les enfers, le Mordor. Ça, c'est ce qu'on ramasse. Oh, dites, vilain. Donc, horrible. Donc ça, c'est ramassé en une heure sur les plages à Marseille. Destination finale, ça nous trompe sur la gueule. Ah, t'as un ballon à l'hélium. Non, mais je vais aller direct en terre. Oh, le fougasse. Oh là là, oh là là. Allez. Oh, mais c'est la Sonic. C'est Sonic. Elle est là. Rempli. Voilà, c'est bon. Ici, il y a des. Oh là là, ça n'arrête pas en fait, c'est incessant. Tiens, deuxième. En une seconde, il y a ça quoi. Eh ouais, ça va très vite. Hein. Comme je disais, 600 000 tonnes sont jetées en Méditerranée chaque année. C'est l'équivalent de 109 stades vélodromes. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont pas contents, les gars. Reviens. Au secours. Qu'est-ce qui se passe? Genre, ils doivent revenir. Vas-y, essaye, en fait, tu gabrais, mais fais attention à pas dégommer. Vas-y, ma Camille. Attrape-les tous. Allez, hop là. On dirait une prothèse. Parce que j'en ai là. Vas-y, Soso. Tu l'as, celui-là. Ah non. Ouais, oui. Mais j'ai pas couru. Là, 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 y en a un. Tu l'as. Il y en a là-bas. Léna, il y a un gros déchet là. Vas-y, prends-le. Mais là, il y a un gros plancton. Oh là, y a... putain. Allez, ça pollue. Hop là. Ah, c'est vraiment un plastique. Ah, c'est des lingettes. Les lingettes, c'est une catastrophe. Hein. C'est des lingettes démaquillantes. Les lingettes démaquillantes, lingettes pour nettoyer le cul des bébés, les lingettes pour tout et n'importe quoi, les lingettes désinfectantes pour la cuisine. C'est triste, quoi, franchement. Et tout ça, ça finit à la poubelle. Vous voyez ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça, c'est le problème. Hein. Ça, c'est... On les a excités, ils n'étaient pas contents. Ah, c'est la nature qui dit merci, ça. Oh non, elles se sont fait chier. Gaëlle, ça... Oh non, la gueule.
Elle s'est fait chier dessus ça avec la bousse et la juju. Plein de merde. Mais là, il y en a partout. Oh, les pieds. Si, les pieds, toi. Les pieds, la cuisse. On est là, quoi. Ça porte bonheur, I guess. Ça ne porte pas bonheur, ça fait croire aux gens pour qu'ils sentent un peu mieux. Mais elles se sont fait chier dessus quoi. Ok. Alors froide, elle a l'air quand même un peu fraîche. Ouais, si 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 c'est frais. Elle nous félicite. Je me suis fait chier dessus Marine. Qu'est-ce que c'est bel hiver? J'ai l'impression qu'on fait vraiment que bouffer. C'est un truc de fou. J'ai que des plans de bouffe dans le voyage. Morty, mesdames et messieurs. Bravo. On arrive avec la pluie, on repart avec la pluie. Ouais. Oh là là là. En belge. Je porte juste la poisse en fait. À toi et moi combinés, alors là c'est peut-être le déluge là. Profites-en Marine de cette merveilleuse vue. Ce sont nos dernières heures. Comme vous pouvez le voir, il a donc douché comme Jaja. Il a arrêté de pleuvoir, donc j'ai sorti les petits talons. Par contre, super, ça veut dire que on a peut-être une chance de manger en terrasse ce soir. Oh, dites comme c'est beau. Quel mignon petit hôtel. Oh, mais oui. Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi, madame. Oh là là, ça va danser la bachata comme jamais. Là c'est la ketchup, alors on est sur ouais. Ça sera notre mood. Alors, on a un peu de lomo, on a un peu de jamón ibérico, on a du pan con tomate, des pimientos, patatas bravas, la totale. Cheers. Cheers. Un petit tabaret de soeur pour Marine. Sans surprise. Oh là là, il y a quoi là-dedans? Alors il y a de l'amaretto, il y a du jus de citron, et alors en fait la petite mousse là elle est faite avec du blanc d'œuf. What? Du blanc d'œuf avec du sucre dedans? Non, blanc d'œuf et séché, et ça mal tout le goût d'œuf. Santé! Il est temps d'aller dormir. Toi et ton copain. Mais regarde ça, je suis liquéfiée, j'en peux plus. La skincare routine ne marche pas. Je donnerai pas le ça, nom. Ça c'est parti. Pas du parti. Tu devrais prendre du Martin Skin mec. Collaboration. Allez, là, non, il perd pas le nord. Il perd pas le nord. Bon, allez, bonne nuit. Bonne nuit, ma beauté divine. Oh, vous êtes si belle. Oh my god. Attention, fin de soirée et transition vers demain matin. Ça fait très mal. Oh, dites. Par contre, j'ai une petite. J'ai un petit teint, allez, j'ai un peu bronzé. Martine est un petit peu bronzée. Allez, pour la valise et direction l'aéroport. Hein. Le van vient nous chercher à 11h. C'est déjà la fin, les amis, c'est la fin des haricots. Les amis, sans transition aucune, nous voilà de retour en Belgique. L'histoire, elle est folle. Franchement, la team Ultra Premium Direct, vous êtes des ouf. Dernière soirée à Marseille, je discute avec la team, je discute avec Sophie et je leur explique que c'est rigolo parce que, enfin rigolo, ça dépend comment on le voit évidemment, mais que je partais le dimanche, deux semaines après le voyage, je partais pour l'assaut Help Animals avec qui je travaille régulièrement, avec qui on tente de récolter des dons au maximum, avec Audrey et Munji, mes potes. Et donc on avait ce dimanche-ci, aujourd'hui, prévu pour la récolte de dons, pour aller tout déposer à Help Animals à Anderlecht. Et tout de suite, la team UPD me dit « Non, mais on va te faire envoyer une palette, on va faire un gros don. » Et ils ont tenu leur promesse. Je vous avoue que je pensais que c'était une discussion un peu arrosée en fin de soirée, dernier soir avant de partir. Eh ben pas du tout. J'ai reçu un message de la team Help Animals pour nous dire qu'ils ont reçu une énorme palette remplie à ras-bord, mais une vraie palette. Genre, il faut le transpalette pour déplacer le colis avec full bouffe pour chiens, pour chats, des croquettes, de la nourriture aussi humide pour les chats parce qu'il y a énormément de vieux chats
chez Help Animals Anderlecht. Malheureusement, ils ont du mal à manger des petites croquettes toutes dures, donc on a tendance à oublier de prendre des petits pâtés, ce genre de choses, des petits émincés. Et donc ça, ils l'ont fait aussi. Enfin voilà, c'est trop trop chouette. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Bah putain, vous êtes vraiment une team incroyable. Je vous fais des gros bisous. Franchement. Hop là. Coucou. Ça va et toi? Coucou! Bien, bonjour! On va s'occuper des animaux! Oui. Et qu'est-ce que les gens peuvent faire pour aider en termes de dons? Tous vos produits de nettoyage, croquettes. Produits de nettoyage, c'est vrai qu'on a tendance à oublier. Ah, oui. On ne pense pas. Hein. Et donc ça veut dire qu'on peut venir ici quotidiennement quand on veut déposer oui. des dons. Oui, okay. Lundi au samedi. Et est-ce qu'il y a un numéro de compte où les gens peuvent aussi faire des virements oui, pour des dons sûr. Bancaires? Sur le magazine et sur le site. Salut tout le monde! Coucou! En dimanche pour venir promener du cabot? Allez, let's go. Oh là là. On a pu amener une grosse partie des dons parce qu'évidemment il y avait tellement, c'était juste impossible de tout stocker ici. Donc on a vraiment fait une partie à l'entrepôt et une partie ici pour chiens, pour chats. Oh, trop chouette. Coucou toi. Coucou Binamouche. Coucou mon cœur. Oh, yoye. On va aller se balader tous ensemble. Hein. Ah ouais, mais c'est, donc c'est des saisies de personnes qui malheureusement ne sont plus là. Et... Oh là là. Ils doivent être adoptés justement à deux parce qu'ils n'ont vraiment pas vivre l'un sans l'autre. Oh, disons alors, tellement. Ça fait 7 ans qu'ils vivent ensemble. Oh, les bébés. Et alors, toi? Coucou Loulou. Coucou Pinamouche. T'es encore tout jeune, toi. Coucou les bébés. Coucou mes amours. Coucou mes petits cœurs de beurre. Et donc, ce qui est génial ici, c'est que les chats sont vraiment dans leur grande pièce et on peut vraiment venir les caresser, bound, si on a envie de chercher un petit bébé, un petit amour à adopter. Oh là là, mais dis-toi, t'aimes bien les bisous, toi? Coucou les bébés! Coucou les bébés! Oui, venez, vous savez, venez. Et donc, vous pouvez vous installer, faire des petits bisous. Et des petits câlins. Coucou toi! Allez là-bas! Coucou! Oh, c'est amour. Oh, mon bébé. Oh oui, mon cœur. Oh, ah oui, regarde, on dirait un petit timou. Oh, petit cœur de beurre. Oh, mon petit cœur. Oh, yo, 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 yo. Oh, toi, mon pinamouche. Mais toi, t'es un gros teint. Oh, yo, yo, mais regardez-vous. Mais regardez-vous. Regardez-vous! Oh mon pinamouche! Oh là là, vous êtes un molosse, mais si mignon! Oh là, ils sont forts! Oh, petit cœur! On va aller se balader, tu sais. Salut toi! Salut pinamouche! Aïe 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 aïe! Oh le bébé! Le chien de famille! Oh, il est trop beau! Je vais! Mais si c'est un chien qui va être adopté tout de suite, c'est pas possible. Ça va? T'as des yeux d'humain? T'as des yeux d'humain, mon cœur? Regardez-le. Pinamouche. Regardez comme il est content. Non, mais c'est vrai. Coucou, là. Oh, il est foufou. C'est tout. En tout cas, balade en laisse vraiment cool. Gros manque de sociabilisation. C'est un chien qui doit absolument être éduqué. Et ça, c'est le gros problème des huskies. Ce sont des chiens qui font souvent, une fois qu'ils finissent en refuge, généralement, ce sont des chiens qui font des va-et-vient. Ce sont des chiens qui doivent être éduqués longuement. Moi, j'ai mis 4 ans, avec l'aide d'une éducatrice canine, j'ai mis 4 ans à éduquer Timur pour que ce soit un chien calme, qu'on s'est promené en laisse sans souci, qui n'est pas agressif avec les autres chiens. Et ouais, il faut de la patience quoi. Il faut de la patience et il faut savoir ce qu'on adopte quoi. C'est pas un chien facile. Une fois éduqué, c'est extraordinaire. C'est un chien bourré d'amour et très intelligent. C'est un chien avec lequel on se marre beaucoup. Parce qu'il nous faut vivre des vertes et des parbures. Mais oui, on va trouver une famille, mon cœur. Ok, il est super gentil, hyper, vraiment. Il est hyper. Il est gentil comme tout, hein, bébé. Hyper. Chouette promenade, Tiche. Très chouette. Oh, le... On est crevés. Eux, ils sont juste incroyables. Lui, j'ai envie de le prendre avec moi au bureau. Oui, il est trop bien. Il serait incroyable. Mais il faut qu'il aille dehors. Oui, mais j'ai un grand jardin. J'ai un grand jardin au bureau, mon cœur. Il est venu et il dort et je le porte comme un bébé depuis tout à l'heure. Oh, lui, c'est un mou. Oh, puis une mouche. Coucou, Lulu. Coucou, mon amour.
Oh, dis, tu es si beau parce que tu n'es pas roux, tu n'es pas blond, tu n'es pas gris. T'as vraiment une belle couleur. Et lui, il est jeune, je crois qu'on lui a donné 10 mois. Oh, bébé. Oh, ton petit cul là. Tout petit cul là. Et voilà, fin de cette journée et fin de ce vlog aussi. Voilà, on était à Marseille, puis on a fini quand même à Bruxelles. En tout cas, un grand merci à toute la team Ultra Premium Direct parce que vraiment vous avez fait des heureux aujourd'hui chez Help Animals. Un grand merci pour ce don complètement fou. D'ailleurs, si tu me regardes, Martine Martin, et que tu n'as jamais commandé chez Ultra Premium Direct et que tu hésites à le faire, que tu as envie, qui sait peut-être, de découvrir cette marque pour l'alimentation de ton chien, de ton chat, eh bien sache que pour les nouveaux clients, attention, les nouveaux clients uniquement, j'ai un code promo, le code Gaëlle Love, qui donne donc 20% de réduction sur l'intégralité du site. Et alors la fameuse gourde en édition limitée vous est également offerte avec mon code Gaëlle Love, peu importe le montant de votre commande. Je vous mets évidemment toutes les informations du site Ultra Premium Direct en barre d'infos. Et encore un grand merci à toute la team, franchement vous êtes extraordinaire et c'est génial, c'est vraiment juste trop bien de collaborer avec des marques pareilles. Donc voilà, je vous fais à tous des gros bisous. Martine Martin, on se retrouve très très vite pour des nouvelles aventures sur la chaîne de Martine, ta super copine. Et d'ailleurs, il y aura une vidéo dimanche prochain. Je vous dis à très vite.